لتكون بشير مبشرا بالسلام على الحضور الكرام ونعطر المرحبا ونعطر المرحبا بالحب Ce soir, c'est un concert de Tahta Tourat avec le grand chanteur Hammam Khairi pour rendre hommage au grand Alepin Sabri Moudallal. Là, on reprend un chant à lui et Hammam Khairi, c'est un Alepin aussi, qui a grandi dans cette alignée de Sabri Moudallal et qui a côtoyé, que ce soit Sabri Moudallal ou que ce soit Hassan Haffar, vraiment l'école Alepine. Nous avons travaillé avec lui des chants tout le long de cette année, ou de cette période, ce premier trimestre. Et encore avec une particularité de cette soirée, c'est quelques compositions de Hammam Khairi, parce que bon, là on passe de l'étape de, j'allais dire, de copier ce qui était fait avant, mais aussi de produire des nouveaux chants, comme un Daur qu'il a fait qui est fabuleux, c'est Daur Selim. Et aussi une composition de les paroles de Bakr Hanifa, qui est Alepin aussi, et composée toujours par Hammam Khairi, et qui sera chantée par moi, Abdurrahman Kazou. La 10e année de cette chorale, comme toute chorale, il y a un noyau dur qui ne change pratiquement jamais. Et bon, il y a des va-et-vient avec les circonstances de chacun. Cette chorale, c'est une école qui est créée. C'est la première école de Mouachahat et de Tarab qui existe en Île-de-France, ou je dirais même, pour ne pas aller trop loin, en Europe. Mais en Île-de-France, c'est la seule qui existe, avec vraiment des musiciens de très haut niveau. Et on continue à perpétuer cette tradition avec la voix orale. Et Hammam Khairi, il fait très très bien ce travail. Et pour la première fois, cette association crée le Festival de musique, des arts et de musique sacrée en Île-de-France. Donc avec l'ouverture qui sera le 4 juin et par ce qu'on appelle Leila Tout Tejouid, lecture des psalmodies des textes donc juifs, musulmans et chrétiens.